C'est un petit chapitre, mais il est magnifique. Simple, il parle de la vie, de la joie de la vie dans le couple, des petits plaisirs et du couple idéal. Non, vraiment, j'ai adoré. Donc, ça commence comme ça. La vie, c'est d'abord un projet. La vie, si on veut qu'elle soit pleine, ne doit pas être dirigée contre, mais pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, et là, il nous parle de la maison de Yaakov, qui à Vinou, qui a réparé le premier couple, donc celui de Adam et Chava, qui en fait contenait toutes les âmes de l'humanité. Et c'est pour ça aussi que le premier mot de la dernière paracha de la Genèse, de Bereshit, c'est Vayehi, dans le sens et il y eut de la vie. Pour qui? Pour le premier couple, Adam, parce que ça y est, la réparation a eu lieu. Donc, qu'est-ce que la vie? C'est savoir ce que l'on veut, en sachant discerner ce qui est important et prioritaire de ce qui ne l'est pas. La principale priorité de tout être doit être le couple, une vie de couple harmonieuse. Donc, la plus belle des vies, c'est lorsque nous sommes ensemble et en paix. C'est lorsque chacun peut s'aimer, lorsque chacun peut aimer l'autre à son rythme et que, dans le même temps, le conjoint sache s'en satisfaire et en tirer du bonheur. Et ensuite, toute une question de volonté. Voilà, il ne peut pas y avoir de la vie si on n'a pas la volonté de vivre, il ne peut pas y avoir de l'amour si on n'a pas la volonté d'aimer, et ainsi de suite. Et là, on nous parle de l'un des couples les plus parfaits, qui fut celui de Yaakov et Rachel. Et on nous dit que bah, qu'est-ce que donne principalement un couple, qu'est-ce qu'il crée, bah, un enfant, la vie. Et là, c'est le fruit d'une union pleine et sacrée. Donc, en fait, ensemble, ils firent descendre la lumière cachée de la Torah sur terre. C'était une lumière très particulière. C'est Yosef HaTzadik. Et en fait, nous savons que l'une des principales mitzvot, évidemment, c'est la première mitzvah lorsque un garçon vient au monde, c'est la Brit Mila. Et donc, il y a la réparation du Yetzerara, du Nefesh, de la partie animale de l'âme. Et nous avons vu aussi que Yosef, c'est Yesod, donc les fondations. Et là, il assure. Donc, le fait que Yaakov domina son instinct et Rachel fit la même chose concernant l'amertume de devoir voilà, renoncer à son mariage au profit de sa sœur Léa, grâce à cette maîtrise de soi-même, les deux réussirent à engendrer un enfant qui sut à son tour se contrôler, faisant aboutir cette qualité à sa plus haute expression. Genre, c'est Yosef HaTzadik représente l'homme qui domine ses instincts par excellence. Et vous savez, c'est vraiment curieux parce que là, depuis, je sais pas, 2 semaines à peu près, une dizaine de jours, non mais tous les jours, il y a un truc sur Yosef HaTzadik, mais c'est incroyable, je sais pas, pourtant c'est pas du tout le moment, hein, c'est pas du tout sa paracha. Bon, ce tzadik donc, fut la Torah vivante de ses parents. Au sein de l'exil, au sein du barbarisme et des tentations, il sut résister, fidèle aux injonctions de la Torah, bien qu'il fût rejeté par ses propres frères. Et c'est ça, c'est la force d'être au milieu de la matérialité et de résister. C'est voilà, il est habillé comme un Égyptien, mais c'est le tzaddik. Je vais essayer de rendre. Là, le Lashonara, en fait, j'ai essayé de me taire parce que je suis aux portes de la délivrance. Vous savez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai. Ah, ça y est. Genre, je suis à comme ça. Et vous vous souvenez que l'Exode, il a été retardé d'un an. La délivrance a été retardée d'un an à cause du Lashonara. Là, je vais tellement me taire. Mais en fait, là, je suis au milieu de l'épreuve, donc j'ai essayé de peser mes paroles. Parce que sinon, je pète un câble. Non, non, je vais peser mes paroles et on va faire l'enseignement. Et on va parler un tout petit peu de Yosef.
Parce que donc, Israël, il a pleuré 22 ans, croyant, voilà, se disant que ça y est, il a perdu ce fils, qui justement, enfin lui, il ne le savait pas, il pensait qu'il était vraiment mort. Mais c'est vrai, il était au milieu de l'Égypte, des Égyptiens, et de l'extérieur, son extériorité était celle d'un Égyptien. Et puis à l'intérieur, c'était un potentiel, enfin, c'était la bombe atomique, c'était un potentiel incroyable, une rigueur très forte. Et voilà, c'est le seul qu'on appelle Sadique des 12. Et donc, en parlant sur le couple, il est avec qui, Yosef? Il est avec. Je me souviens. Asenath? Asenath? Je sais pas comment on le prononce en français. Mais vous savez qui c'était? C'était la fille de Nina. En fait, c'était la fille. Elle a été élevée dans la maison de Potiphar, elle aussi, genre aussi dans le sens où elle a grandi en Égypte, mais en fait c'était la fille, enfin pas perdue, mais Dina, elle avait été kidnappée, violée par Shechem, et malgré tout, donc bon, elle est restée enceinte, elle a réussi à faire circoncire toute la ville, et puis Shimon et Lévi ont tué tout le monde le troisième jour. Mais c'est ça, elle a été kidnappée. Au final, ils ont dit, vu qu'il y avait beaucoup de souffrance associée à cette fille, ils l'ont donnée quand même à une bonne famille égyptienne. Parce que bon, Potiphar, quand même, c'était l'un des ministres de Pharaon. Et je pense que c'est un Midrash qui dit qu'il avait. Que Yaakov Avinu, enfin Israël à l'époque, il lui avait fait un bijou. Il lui avait fait un bijou dans lequel il lui avait dit qu'elle appartenait à la descendance d'Israël. Et lorsque Yosef sortait enfin comme ça, elle a lancé ce bijou. Et bon, en fait, bon, après dans la Torah, dans la Torah, il y a marqué que c'est Pharaon qui a fait mal. Mais bon, mais au final, enfin, c'est des géants, ça c'est des géants, parce que Dina, elle avait le potentiel de faire choix à Essav, les filles. Essav. Parce que Essav était destiné à Léa, et Dina était la fille de Léa. Et c'est ça, Essav aussi, c'était ça, c'était pouvoir côtoyer le mal et y résister, mais il n'a pas réussi. Et pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il n'avait pas eu ni Léa, ni Essav, donc il était seul. Vous voyez la force d'être deux. Et donc Yosef et elle, donc Asenath, la fille de Dina, mais la descendance, c'est quoi? Qui sont l'enfant Ménaché? C'est Ephraïm et Ménaché. Ah oui, Ménaché, mais Ephraïm et Ménaché. Ouais, c'est une. Qu'en plus, les deux, ils ont eu. Excusez-moi, là, on réfléchit ensemble. Parce que j'ai. Voilà, je vous dis, chaque jour, il y a un truc. C'est Youssef, à chaque fois, ça me sort Youssef. Je sais pas pourquoi. Enfin, oui, en fait, je sais pas pourquoi ça doit insister sur le fait que. Bon, bref. Ephraïm et Ménaché. Et en fait, c'est ça, contrairement à Ésaü et à Jacob, qui l'aîné, voilà, le cadet a pris la place de l'aîné, il y a eu tout le problème de la bracha. Là, c'est Israël qui a fait la bracha aux enfants. Et donc, du coup, il avait inversé les mains, et même en inversant les mains, il n'y a pas eu d'inimitié entre les enfants. Ils sont restés, voilà, et c'est les tribus eux aussi, la 13e, la 14e tribu, ou demi-tribu. Ouais, voilà, c'est pas une Zera Kasher, ça, c'est une Zera Kadosh, c'est un travail de folie, ça.
pourquoi il nous parle de Youssef du coup? Excusez-moi. Bon, donc de même que les premiers rouleaux de la Torah furent contenus dans un Aaron à Kodesh, l'arche de l'Alliance, Youssef HaTzadik, véritable Torah vivante, fut enfermé après sa mort dans une arche, un Aaron. Youssef mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et il ne fut déposé dans une arche en Égypte. Et à savoir, vous savez, il a été le premier à mourir parce que lorsque ses frères y sont venus, ils ont dit non, nous sommes tes serviteurs et notre père aussi est ton serviteur. Et Youssef ne les a pas. Ça, c'est leur Chaim HaKadosh qui l'enseigne. Et donc, moi, je me demande bien, quel âge était supposé vivre Youssef, normalement. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les deux faces de l'existence, c'est ça. C'est les rouleaux de la Torah sont composés des deux faces. La face intérieure avec les lettres de la Torah, elles sont la lumière d'Israël et du monde. Et la face extérieure qui est lisse, il n'y a rien, et ça correspond à la, voilà, la maison de Pierre. Et là, il fait un parallèle entre Moshe Rabbeinu et Yosef et Yaakov. Parce que là, il dit Yaakov Avinu fit descendre la Torah cachée, donc c'est-à-dire c'est Yosef qui représente cette facette-là. Tandis que Moshe Rabbeinu, bien sûr, il fit descendre la Torah révélée, donc celle que nous étudions. Et Moshe Rabbeinu fut l'homme qui n'hésita pas à chercher l'Aaron, l'arche qui contenait les restes de Youssef, afin de l'amener hors de l'Égypte avec Israël. Donc c'est à partir d'un couple, d'une maison solide, que toute la volonté de Dieu peut descendre sur telle terre et resplendir. Ce formidable challenge s'offre à tous les couples sans exception. Quel que soit son niveau, chacun a un rôle décisif à jouer. Chacun est important pour lui-même, même pour Israël, pour Hachem, qui a confié sa fille la Torah, à tous les couples d'Israël. Hachem attend du couple l'amour mutuel, gage d'une Torah énergique et resplendissante. Hachem n'attend pas de nous des sacrifices immenses, mais de bien garder l'enthousiasme, disons, voilà, comme le premier jour, dans le sens où quand nous étions, enfin, quand il y a la choupa, c'est-à-dire un moment où nul torrent n'aurait pu éteindre l'amour et les espoirs mutuels. Donc, passer du temps ensemble, se comprendre, partager, tout cela doit dynamiser les sentiments, c'est là toute la Torah, le messianisme juif qui sont en jeu. Voilà, là il dit que l'amour n'est pas un simple sentiment qu'Hachem accorderait à nos instincts. Et les plus beaux fruits, les plus beaux édifices existentiels se bâtissent grâce à ça, grâce à cette spiritualité et les efforts en même temps. Voilà, Hachem il nous donne la clé, c'est à nous de l'utiliser. Et un grand rave dit un jour à son élève, si tu sais passer un moment avec ta femme autour d'une bonne glace, tu peux être sûr qu'Hachem sera à vos côtés. Voilà, donc c'est toute une philosophie de vie, c'est ça, c'est le petit plaisir de la vie. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'aller au Fidji pour être heureux. Vous savez, voilà, à chaque fois, il y a... je dis, c'est bien d'avoir des ambitions, évidemment, d'avoir des projets, bah, il nous le dit, le rave. Mais en même temps... on ne peut pas à chaque fois, vous voyez, genre, penser, ah oui, il faut que j'ai les super top vacances, les super top vêtements, le super top, et tant que j'ai pas ce super top, vous voyez, c'est ça aussi, je peux pas être heureux, je peux pas profiter de la vie, non, c'est aussi les petits moments partagés comme ça. Et il dit justement, souvent nous trébuchons dans notre existence parce que nous basculons d'un extrême à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on peut être en couple et tout amourette, et nini nana, et après, ça y est, on est en coloc, on se dit bonjour, bonsoir, juste comme ça. Donc, c'est ça, faut pas tomber dans les extrêmes.
Sûrement, il y a des hauts et des bas. Il y a des journées aussi où on a eu des rudes journées et on ne peut pas être de la meilleure des humeurs. Mais voilà, faut que chacun ait sa fonction. Donc, l'homme doit être occupé à étudier la Torah et il doit travailler pour nourrir sa famille. La femme doit s'affairer à tout préparer pour son foyer pour que la famille puisse disposer de tout ce qui lui est nécessaire. Hachem désire aussi que l'amour et le partage ne cessent de s'immiscer à l'intérieur de nos responsabilités. Donc l'énergie, les moments d'intimité, d'affection, c'est ça qui crée un foyer juif solide, énergique et dynamique. Et c'est ça, sans un foyer où l'amour fait l'effort de régner. Parce qu'on peut avoir des journées plus difficiles que d'autres, mais bon, c'est pas pour autant qu'on doit se décharger sur les membres de la famille. Donc chaque couple a une part de la Torah d'Hachem dans ce monde à révéler. C'est la Torah qui nous construira et nous fera resplendir, mais en même temps, nous devons révéler cette facette unique. Donc la vraie vie, c'est tout cela. Elle peut commencer avec une simple glace, un simple sourire partagé. Et n'hésitons pas, une vie magnifique se construit à partir des petits riens, tant qu'avec les grandes choses. Voilà, pas besoin des Fidji. Bon, bah, c'est ça. Excusez-moi, ça s'est un peu éternisé aujourd'hui. Mais j'ai adoré, moi, j'ai adoré ce chapitre, il était vraiment très, très sympa. Je sais pas, il n'y a pas eu le secret, le machin, le sot de tout, mais je sais pas. Ça me fait beaucoup de bien et je vous souhaite Shavua Tov.